monde, c'est Diablo. Et on continue la campagne de la Chine avec la mission numéro 7. Qui est également la dernière, c'est pas. On est parti, je vous laisse la cinématique, le chargement, etc. Je me tais. La victoire finale n'est plus bien loin, général. La cellule de la GLA qui coordonne toutes leurs activités dans la zone Asie-Pacifique a été découverte au Tadjikistan. Vous êtes autorisé à employer l'arme nucléaire pour les réduire en cendres. Le destin de la Chine est entre vos mains, camarades. Donc on est parti, c'est la mission la plus compliquée du jeu. On va voir. Kyrgyzstan. Je ne sais même pas ce pays. C'est la capitale, hein. Dushanbe. Je vous cache pas que c'est la deuxième tentative. Hein. La première a été un échec. Hein, un échec, pardon. Ça sent l'embuscade. Sur vos gardes, il nous réserve certainement d'autres surprises. Alors, pourquoi elle est difficile cette mission? Alors premièrement, déjà, il va falloir s'installer, puis il va falloir prendre un avant-poste de la GLA. Prête à l'action. Moi ce que je vais faire, c'est déjà un poste de commandement ici. Voilà. Bel emplacement. Et une centrale électrique. Voilà. Il n'y a pas assez de place voilà. Pour ça. Et après, on va commencer. Maître de guerre en race. Je change de position. Histoire de pouvoir. Voilà. Donc, bien, général. Poste avancé de la GLA. Alors, est-ce que j'ai mis. Unité perdue. Les besoins de la suite. La bataille. Au nom de l'armée rouge. Nous défendrons ce territoire. Écraser l'ennemi sur le front. Là, et là, ça va être difficile d'avoir le moins de pertes possible pour avoir une défense. Bien, général. La souris a tendance à passer sur le deuxième écran. Nous vivrons dans la prospérité. Bon, j'ai fait une caserne un peu plus loin. Voyons voir ça. Là. De toute façon, j'ai pas trop utilisé les. Unité perdue. Je sers les besoins de la Chine. Écrasez l'ennemi. Si on perdait un bon bâtiment, on peut être capturé. L'important c'est de sauver. La Chine, la unité perdue. Ils ne s'échapperont pas. C'est oublié et donc. Je change de position. C'est chiant. Pas. Bien des chars ici. Je vais aller faire ça et ça plus. Unité perdue. Hop, les tirs de ça, tac. Qui est là? Attaquez-le! Unité perdue! Envoyez vos soldats! En parallèle, on va faire
le radar, et là on va faire la prise de bâtiment et on va faire des gardes rouges. Donc là, ça on va pas y toucher, on va juste détruire ces sons. Attaquez-le, voici l'aide. Oui général, lance roquette. Amélioration achevée. Voici l'aide. Envoyez tout ce qu'on a. Envoyez tout ce qu'on a. Attaquez-le. Voilà. Famille de prendre ça. Amélioration achevée. Ici, hein. L'ennemi, attaquez-le. Donc la difficulté de cette map va résider en deux points. La première c'est qu'il va pas tarder à faire un petit scud. Voilà. Voilà, petit scud. Et le problème c'est que en fait il y a un script dans cette mission qui fait que l'ennemi va lancer son scud dès que j'aurai atteint 5000$. Je construis pour la Chine. Donc ce qui va être compliqué c'est de pas dépasser cette somme. Voyons voir. Même pas l'atteindre. L'endroit est mal choisi. Peut-être ailleurs. Parce qu'à partir de cette somme là, il va commencer à balancer 6000 scuds et commencer à envoyer pas mal d'unités sur notre base. J'attends vos ordres. La Chine est invincible. On va prendre défenseur de la paix. Nous les prendrons pour l'armée de peuple. On va utiliser la GLA pour faire des marchés et aussi des tunnels. En fait, la Chine va surtout nous servir pour les chars, tout ce qui est chars, et la GLA pour tout ce qui est défense et pognon. Bon, voilà, je fais quand même ça histoire d'avoir le. Nous avons de grands projets. Voilà, bon, désolé, chef, c'est impossible. Là, je ne peux nous sommes venus à bout de ses forces. Mes camarades, installer une base, nos ressources sont insuffisantes. Il doit y avoir du ravitaillement dans la ville. Là. Trouvez-en avant de tomber à court de ressources. J'attends vos ordres, bien compris. Je travaillerai. Immédiatement. Pour l'instant, on va pas trop s'avancer dans la ville. Donc en fait, la map est. Je travaillerai. Divisée en deux parties, hein. Enfin même en trois. Donc la partie en bas, c'est nous. Au milieu, il y a le village et en haut, il y a la GLA qui est dans les collines. Et sa base est très très bien, très bien gardée. Hein. Il y a pas mal de défense, il y a pas mal de bâtiments, etc. Donc là, en 5 minutes, c'est impossible d'atteindre. J'obéirai. Je crois que je peux vous aider. Sa base. C'est pour ça que je vais plutôt privilégier les bâtiments de la GLA. Je vais faire une caserne d'ailleurs, comme ça on aura je les tunnels, ce que je dois faire. Les Stingers. Livraison. Bon, ce qui est bien avec la GLA, c'est qu'ils n'ont pas d'avion, donc on sera pas trop embêté avec ça. Il faut vraiment aller sur le problème, ça va être ses buggy. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir mis les nucléaires canons. Enfin, mais là, pas canon plutôt. Je sais pas comment ça s'appelle, allez. Ah, ça. Napac canon, histoire de pouvoir avoir un impact assez loin. Nous vivrons dans la prospérité. Ensuite, le centre de propagande pour avoir ces fameux tanks et aussi les chars empereurs. Donc, les chars empereurs, ça va être l'unité principale de cette mission. Hein. On va faire pas mal. Partissons. Parce qu'ils sont très, résistants. Bon, ils sont lents, mais voilà. On peut y installer aussi des. Sinon, je l'avais déjà fait, hein, je crois. La mission 5, on les avait pas mal utilisés. On ne peut pas vivre en paix. Je crois je fais ce qu'on me dit. De mémoire, parce que entre temps, j'ai quand même fait la campagne de la GLA. Je vous cache pas que j'ai fait la campagne de la GLA avant de faire la mission numéro 7. Parce que j'avais un petit peu peur de ce que ça allait. J'ai très faim. Si c'est ce que vous voulez. Parce que j'ai déjà fait une tentative et c'était un échec. Ce que j'ai terminé avec du boulot. J'ai oublié que voilà, le palier des 5000 est très important. Parce que là, bon, pour l'instant, ils attaquent pas. Hein. Ils attaquent pas, donc on va pas. Oui, chantier de construction terminé. Je fais ce qu'on dit. On va continuer l'histoire. Histoire 2. Donc là, le truc là d'embrigadement permet de soigner les unités. Donc c'est pas mal. Voir ce que j'ai foutu. J'obéirai. Donc on va utiliser ces dépôts là pour avoir de la thune en plus. Hop. Je ferai ce que je dois faire. Donc ce qui est bien c'est voilà on peut utiliser les deux, hein, ça les véhicules récoltent même dedans. Je construis voilà. Pour ensuite, la avec la Chine, on va continuer à faire. On va peut-être pas faire les avions, c'est parce qu'ils bon ont pas mal de quad de site Stinger, on va plutôt faire voilà, les canons que je vous ai dit. Enfin, des nappes à canons plutôt. Avec les canons, on va pas trop les utiliser. De toute façon, j'ai pas débloqué la carte.
je la débloquerai pas. Lance-roquette pour la Chine. Par contre, on aura la bombe IME, donc ça c'est très important, ça va pouvoir se faire désactiver des véhicules et les bâtiments. Ça pourra ralentir un peu leur progression. Après, il y a le pognon, donc le pognon, l'arsin là, ça va être. Il faudra repérer les dépôts de ravitaillement pour pouvoir prendre leur fric. Tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas dépasser des 5000. Ça. Ouais, puis on va commencer à faire des tirs de barrage. Si. Ça, c'est que j'en fasse 3. 3, 4. Plus des tanks en défense. Ah, d'accord, hop. Je vais travailler. Et avec la GLA, on va essayer de faire le plus possible des marchés noirs. On peut avoir des chaussures. Il y en a vers là. Voilà, j'ai assez espacé mes bâtiments parce que si jamais j'arrivais à atteindre le palier des 5000 sans faire gaffe, on pourrait balancer son truc sans que ça fasse trop de dégâts. Ouais, il commence à envoyer des tanks. Hein. Pas de problème. J'ai mis une voie de napalm pour que ça fasse plus de dégâts. Attends, 2500 pour faire le trafic d'armes. Camarades, nos ressources sont insuffisantes. Il doit y avoir du ravitaillement dans la ville. Trouvez-en avant de tomber à court de ressources. Quoi, on pourrait gagner une fortune. Sont tout ramassés. C'est un raccourci. C'est chiant par contre. Où dois-je livrer? Je ne peux pas tourner à gauche. On a du boulot ici. Donc nos provisions sont en route. Déplacer. On a fait notre boulot. Ouais, on fait un petit barrage de. Voilà, tant qu'ils arrivent, ils sont cramés. Ils ont parlé. Il avance un peu, mais avec les missiles. Ça passe. Enfin voilà, ils envoient aussi des terroristes. Donc ça arrive. Je crois que 2-3 terroristes, ça peut bousiller un temps. Unité perdue. Félicitations, général. Vous avez été promu. Voilà, donc le niveau 5, on va améliorer ça. Je vais pas faire de mine, ça sert à rien. Après, il va falloir, avec l'aile des véhicules de la GLA, on va faire un. On ne peut pas vivre en paix. Il faut vraiment aller si loin. On va faire un. Je fais ce qu'on me dit. On va faire un ou deux radars mobiles et on va scanner un petit peu la zone, je crois. Ouais, c'est moi qui ai la Gatling. Je vais peut-être faire 2-3 Gatling. On va essayer de faire. Nous avons de grands déjà un. Une centrale de. Supplémentaire, on va la foutre ici. Ça sera très beau une fois fini. Voilà, et après avec le deuxième, il est là, on va foutre une Gatling. Ça va être un arme pour les soldats. Le but c'est de défendre en premier. Et on va défendre et après on va attaquer. J'obéis. Le bâtiment, là, ou peut-être mon dieu, je vais y aller. Ici, on va faire le palais. On va mettre ça. Je vais passer à rentrer. Je suis capable. Allez, de la thune. Parce que là, après ça, j'aurai plus de thune. Il va falloir que je fasse des marchés assez vite. Parce qu'après, il y a les technopirates chez les Chinois, mais ils sont très très lents à récolter de la thune. Il n'y a pas assez de place ici pour construire. On va en faire beaucoup. Je voulais disposer un peu partout. On est assez vulnérable. Donc, c'est des unités et pas des bâtiments. Je préfère plutôt faire les. Voilà, ça va être chiant. Ça c'est les bougies. Hop, heureusement que les tunnels ça répare. C'est mon erreur. Voyons voir ça. On va peut-être essayer d'en faire un deuxième. Je te mets un plus vers le lac. Je ferai ce que je dois faire. Je construis pour la Chine. Ouais, et après avec ça. Normalement, je suis peinard. Terminée. Et après on va faire plein de chars empereurs. C'était un sacré boulot. Ouais, le but ça va être vraiment de chercher de pas dépasser les 5000. Je vais y aller. Sur la fois précédente, j'ai voulu faire un missile nucléaire. Et le problème c'est qu'il a balancé son squelette après. Et après une fois qu'on a dépassé les 5000, il continue. Attendez 5 minutes, il balance. Je suis qu'un paysan. Et les pèses qui balancent ici, hein, qui balancent dans la défense et après on est marron.
voilà, on va faire. Hop. Si c'est ce que vous voulez. On va faire les. Les défenses. Ça en fait 3. 3, 3. Celui-là ici. Comme ça, ils seront à l'intérieur. Je mets une défense supplémentaire. Voilà, déjà là j'ai une bonne ligne de défense. Qui peut passer. Là déjà j'ai une bonne défense. Ceux qui peuvent arriver par ici. Tout le reste c'est bloqué. Là si on continue le chemin, on arrive dans un barrage de voitures qui est indestructible. Partissons. Ah oui. Voilà, bon, c'est le problème, c'est que moi je trouve la caméra est trop. Voyons voir ça. Je suis fort, très fort. Je mets aussi le message subliminal, ça te permet d'avoir plus de 25% de bonus et donc ça soigne plus rapidement. On va faire un autre petit chemin empereur. Bon, on va aller foutre là, on va faire une petite dizaine, je pense que ça suffira pour progresser dans la vie déjà. Après, une fois qu'on aura progressé dans la ville, ça sera plus facile de résister à ces attaques que hein. On pourra passer la barre des 5000$ sans être trop inquiété. Vous changez souvent d'avis. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que vraiment défendre, prendre chaque portion de la ville et les défenses. Pas hésiter sur les véhicules. Je ferai ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous me voulez ? Là-bas. Je vais y aller. Ouais, je continue quand même à essayer un peu d'écarter les bâtiments, hein, pas trop les mettre proches. Là, je crois qu'ils ont modifié un petit peu le script de l'ennemi pour rendre un peu plus difficile. Donc, avec son scud, si jamais j'arrive à atteindre les 5000, il va plutôt privilégier les. Ce qui permet de récolter de la thune et après les défenses. Après, il va attaquer là. Ça va être assez problématique. Donc le char empereur, voilà, il peut faire des casemates, des mitrailleuses Gatling ou des tours de propagande. Donc on va plutôt utiliser les Gatling et les tours de propagande. Donc la casemate ça sert pas à grand chose. En réalisation, certes, ça tire. On pourrait les équiper avec des lance-missiles, mais ils sont pas trop. La Gatling est plus efficace. Voilà, là il s'embête pas, il n'arrive pas à envoyer des. Pas comme l'inverse, oui. Hop, voilà. Là, j'étais à 3000, donc c'était pas loin. Ah, d'accord, je vais travailler. Bon, à chaque fois, en construisant, en sélectionnant des améliorations, d'ailleurs, hop, on va commencer à faire ça. Hop, on va essayer d'avoir. Peut-être en faire 3 même. De... Je me branche, nous avons un signal partout. Le radar mobile, histoire de pouvoir scanner à chaque fois la zone. Pas, hein. Noir, là, je peux pas scanner, il faut au moins avoir le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, vous voyez, on peut envoyer les. Ouais, on va commencer à envoyer ces canons. Ça va le détruire avant qu'il touche. On a fait notre boulot. Ouais, je vais en faire 3. On va déplacer. On va les mettre là-bas. Ils sont ici, je n'y fais que rien. Même essayer de construire par là. Je capte tout pour vous. Nous avons de grands projets. Voilà. J'obéirai. Vous changez souvent d'avis. Donc voilà, ça se construit, ça commence à prendre forme. Donc là, voilà, j'ai plus de ressources. Hein. La seule ressource, c'est les marchés. Je suis qu'un paysan. Mais on s'en va vendre. J'ai plus de choses. Mon délai est court. D'accord, je vais travailler. Allez, on va essayer d'atteindre. Il faut vraiment 2500. Aller si loin. Parce que plus ça va après, plus j'ai avoir de thunes. Je peux avoir des chaussures. Voilà, après on va faire je pas mal de pas temps ici. Aussi, que si jamais. Oui, sur quelque raison, j'arrive à percer mes défenses. J'ai pas mes défenses quand même. Je suis fort. Très fort. Empereur en route. La voie est libre. Voilà.
pourquoi pas, vous voyez, là à droite il y a des améliorations. Ça c'est avec le missile nucléaire que j'ai acheté. Pour l'instant, passer, c'est nickel. Donc voilà, là on est tranquille peinard, on va faire encore des... C'est charmant. Qu'est-ce que vous me voulez? J'obéirai. On va commencer un peu à scanner la zone aussi. Je me branche. Là, il y a une Derrick. Radar mobile de la JLA. Là, il y a rien. Voilà, on va faire ça pour toute la ville. On peut même essayer de scanner. Quelle chaîne voulez-vous, général? Je pense que par là, le... ouais, donc là, il y a des défenses. Il y a pas très loin le missile Scud. L'ennemi attaque la chine. Radar mobile de la JLA. Je crois que les trucs qui passent, ouais, c'est soit les camions, soit les résistants. Ça passe pas bien longtemps. Ça... Faut pas que je confonde. Les unités d'AGLA, ça ne va pas me servir là. Bah, à la limite, peut-être un. Même pas, je peux pas faire ça. Les buggy, bon, à la limite, ouais, on va faire un petit buggy. Histoire de. Voilà, il arrive à quand même à passer avec ses. De la gnognotte. Ouais, pour l'instant on va rester rien de secret pour moi. Et quand j'aurai assez de tank, voyons ce qu'il mijote. Je suis sûr de pouvoir progresser sans trop de pertes. On va rien on va avancer dans la ville moi. Hop, voilà, je fais une petite Donc, pour l'instant il n'y a aucun bâtiment qui est occupé hein. Donc ça c'est plutôt bon, pardon. Aucun soldat en garnison, donc pas besoin de faire des tracteurs ou des chars dragons pour déloger tout ça. Par contre, ce que je peux essayer de faire, là, je vais le faire maintenant. Faut que je retourne ma caserne, je crois que je l'ai foutu là. Voilà, on va faire, non pas lui, on va faire voilà, Lotus Noir et même essayer de faire Germain de Ken aussi. Bon, les unités spéciales, on va quand même les envoyer dans la ville, ils sont camouflés. D'ailleurs, ouais, vu qu'on a le GG là aussi, on peut essayer de faire des camouflages avec les rebelles. C'est pas stratégique. Camouflage, donc c'est ok. Donc là, on va essayer d'en faire un nouveau marché. Histoire d'avoir plus vite de la thune. Donc, ouais, là, ça monte. Hein. Hop, c'est presque $100 par minute. Enfin, même pas par seconde. Tac. Là, je vais en avoir 5 ou 6. Hein. Vu la vitesse où ça monte, on va continuer, on va essayer d'en faire une dizaine. Ça sera déjà pas mal. C'est 20$ toutes les secondes. C'est $2000 la seconde avec une dizaine, c'est pas mal.
est pas bête, hein, il sait passer sur le côté, il sait éviter les tirs de barrage. Hein. Vous voyez, hein, tout le temps que j'ai dépassé les 5000, il a pas tiré sur le pilote. Hein. On va continuer un petit peu. Je me branche. Le scan, hop. Radar mobile de la JLA. Donc voilà, à chaque fois on voit des unités. C'est à partir de là qu'il y a le tunnel. Donc en fait, la ville n'est pas non plus. Je me branche. Excessivement grande. Donc en partie de là, il y a les collines. Donc à la limite, voilà, on va pouvoir essayer de prendre possession de la ville assez vite. Foutre des défenses là. Hop. J'ai très faim. Ce marteau est trop lourd. Wow, on est peinard, on est tranquille. Vous changez souvent d'avis. Oui, plus ça va plus. Là j'ai l'autre juste mais c'est de faire passer. Pareil pour Jermel Ken, moins cher. Je vous écoute. Je fonce. D'accord. Fais passer par là. Je fonce. Je fais du boulot. Quand même invisible, hein. Faut pas être bugé. Je pense. C'est aussi un radar mobile ou un. Besoin d'un transfert. Ou un bâtiment de défense. Là, dans la ville. C'est pas le cas. Ça, c'est la zone. Voilà, on est dans le nord. Temps, mais ils sont même pas murés dans ces temps. Ils ont pas de missiles, rien. Quoi, on voit qu'à chaque fois il envoie des soldats, donc avec Jermel Ken on va pouvoir les sniper. J'ai entendu. J'attends. Tac, passe. On va faire. Je vérifie quand même toujours l'argent. Là on était à 3000, 4000. Je prépare mes outils. Ouais, après on voit des tanks. J'attends. Avec Jermel, on qui est la cible? Je vais la battre. Je rejoins la position. Autre chose. Ouais. Là, on peut carrément vider les véhicules, leurs occupants à chaque fois. On a besoin d'une petite armée après. Ouais, puis après, on peut s'amuser avec lui pour sniper les soldats. La voix est libre. Camarades, le commando Jermel Ken a été repéré sur le champ de bataille. Localisez-le avec le transporteur. Bon. Alerte, tir de scope. Ah merde, j'ai passé le sang. Là il va. J'ai pas fait gaffe. Bon. Ennemi à part la Chine. On va voir où est-ce qu'il balance ça. Il balance ça ici, ça y est, il est bien. Unité perdue. Ouais, c'est sûr. Chance sur deux, et on saisit sa chance. Là j'ai aucune défense. Ce que je vais faire c'est que je balance ça. Ça va permettre de figer les unités. Tant que je fasse ça. J'espère que ça vaut le coup. Pas défense, je suis un peu baisé hein. Unité perdue. Vous avez vu hein. Seconde intention, et tout avec. Hop, j'ai figé ces unités. Ils attaquent notre base. Charme, je suis fort, très fort. Que vous faut-il? Juste attendre une lâche de 6 minutes là, vous voyez, le dommage est toujours présent, c'est un peu galère. On va avec la gâtine à tout encore. Unité perdue. On va appuyer comme une con, ça en souci dans les. Ça fait mal. Tank et. On attend.
perdu. Ça. On est mal barré. On va prendre ça, les gars. Quad, hein, tant pis. Choix. On va voir tout ce qu'il envoie là. On est un peu mal barré. Hein. On est mal barré. En fait, unité perdue. Ne me frappez pas. Vous changez souvent d'avis. Faire de la défense, faire des tanks. Ah, d'accord, je vais travailler. Unité perdue. J'ai très faim. Il est balancé là-bas. J'entends me faire rouler dessus. C'est mauvais. J'obéirai. Je vais y aller. Général, je notre base est attaquée. Vous voyez, hein, là, je me suis roulé dessus, c'est pratiquement perdu. Hein. On ne peut pas vivre qu'un paysan. Oh, j'essaie de faire... faire nécessaire pour pouvoir refaire c'est des... du boulot. Des marchés. Je construis pour la... C'est dégommé, hein. C'est un bon choix. J'ai terminé j'ai avec ce chantier. Il n'y a pas assez de place ici pour construire. Nous avons un bâtiment pour construire. Je ne peux rien construire ici. Un bunker, un tunnel, essayer de se défendre. Mais bon là on a plus de thunes. On a fait notre boulot. C'est la merde. L'obéir. Unité perdue. Il y a des chars ennemis. Notre base est attaquée. Avec ce putain de buggy là, il faut. Ce qui est le plus gros calibre. C'est marron, voilà, on a perdu, échec. On va pas. Unité perdue. On va abandonner, on va recommencer. Hop. Et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 7 de la Chine. Je vous laisse la cinématique. C'est parti. La victoire finale n'est plus bien loin, général. La cellule de la GLA qui coordonne toutes leurs activités dans la zone Asie-Pacifique a été découverte au Tadjikistan. Vous êtes autorisé à employer l'arme nucléaire pour les réduire en cendres. Le destin de la Chine est entre vos mains, camarades.